Stop les gars, c'est votre Blacky back to d'une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va voir la taille des rappeurs. Tu t'es jamais demandé, ouais, ton rappeur préféré, il faisait quelle taille? Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ceci en vidéo? Donc, on va voir les rappeurs les plus célèbres, hein, que ça soit rappeur américain, rappeur français. Donc, c'est parti. Si tu veux plus de vidéos comme ça sur le rap, tu mets un pouce bleu et c'est parti. Le premier rappeur est Lil Wayne qui fait 1m65. Je suis choqué parce que moi, je pensais qu'il était grand en fait. Quand je le vois dans des clips et tout, je me dis, tu vois, il a une taille normale. Après, 1m65, est-ce que c'est petit? Tu vois, pour un homme, c'est chaud. Dites-moi, vous, dans les commentaires, la taille normale pour un homme, c'est combien? Moi, je dis, c'est 1m70. Si tu fais 1m70, t'as une taille normale. Si tu fais moins d'1m70, je dis, et si tu fais plus d'1m70, bah, t'es grand, tout simplement. Snoop Dogg, ça se voit direct. Tu vois ça dans ses interviews, dans les clips. Le mec, il est géant, frère. Le mec, t'as l'impression qu'il atteint déjà le paradis. Il fait combien? 1m92. Ah ouais, 1m92. Moi, je pensais qu'il faisait plus, hein. Quand tu le vois, sa longue taille. Snoop Dogg, on dirait c'est une paille. Tellement il est grand. Moi, je pensais qu'il faisait 1m98 ou 97, un truc comme ça. Drake, il fait combien? Drake, il fait 1m82. On dirait pas trop quand tu le vois dans les concerts et tout, mais ça va, en vrai, il est grand. Kendrick Lamar. Donc, Kendrick Lamar, il fait la même taille que Lil Wayne. Donc, 1m65. Je suis choqué aussi. Kendrick Lamar, 1m65. Mais même dans des clips, genre, je sais pas, tu dis, mec, il a une taille normale, en fait. Ensuite, le prochain rappeur. Bon, lui, c'est cramé. Ça se voit direct qu'il est grand. Wiz Khalifa, 1m93. Plus grand que Snoop Dogg d'un centimètre. Bon, on voit pas trop l'écart. Mais, voilà, 1m93 pour le rappeur Wiz Khalifa. Attention, là, on va passer à un rappeur français qui fait 1m96. Oh, du jamais vu. C'est un basketteur. 1m96. Et le rappeur français est La Fouine. Oh là là, il est grand de ouf en vrai, hein. 1m96. God damn. Moi, je le regarde comme ça, La Fouine. Tellement il est grand. Autre rappeur français, Gradur, 1m80. Taille correcte, hein. En vrai, taille correcte. Y a rien à dire, en vrai. Lacrim, 1m70. Taille normale. Rof, 1m70. Aussi, wesh, il y en a beaucoup en vrai, ils font 1m70, hein. Lil Boozy, 1m70. Donc ça, c'est un rappeur américain. Et là, on va parler d'un rappeur. Je suis choqué comment il est petit. Eh, hey, pas d'insultes dans les commentaires. Même moi, je vais même pas mal parler de lui. Parce que c'est un putain de rappeur. Il a du vécu et ses sons à l'ancienne. Dinguerie, dinguerie. 1m60. Qui est ce rappeur? Rappeur américain, Nas. Eh, hey, franchement, Nas, je peux pas le critiquer, frérot. En plus, 1m60. Bon, 1m60, c'est chaud. Mais, eh, voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai pas envie d'être méchant, c'est Nas, cousin. 50 Cent, il faisait 1m60, je peux rien dire, parce que 50 Cent, je l'adore de ouf. Bon, en vrai, je peux pas être objectif dans cette vidéo, mais, bref, Nas, 1m60. J. Cole, wow, yo, yo, 1m80, lui aussi, ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf dans ses concerts, qu'il est grand, hein. Ah ouais, mais moi, je pensais qu'il faisait plus, genre 1m95, un délire comme ça. Je suis choqué qu'il fasse 1m91. Bon, c'est quand même grand, 1m91, hein. Ah ouais, ils ont même mis Soprano, hein. Soprano, 1m68. Putain, je pensais que genre il faisait 1m72, 73. Ensuite, là, on a le rappeur Too Short qui fait 1m65. Ah ouais. Eh, je suis choqué en vrai. Eh, je suis choqué. Parce qu'en fait, je découvre ça en même temps que vous. C'est pas genre en mode, j'ai préparé la vidéo. T-Pain, 1m73. Ça va. Putain, T-Pain, 1m73. Quand je le regarde dans ses clips, on dirait le gars, il est archi grand. Moi, je pensais qu'il faisait genre dans les 1m80. E-40, 1m85. Ouais, lui, ça se voit, il est grand. E-40, c'est gravé. Il est grand de ouf. Mick Mill, 1m88. Putain, presque 1m90, Mick Mill. Je pensais pas, hein. Ouais, moi, Mick Mill, j'aurais dit 1m85. Un délire comme ça. The Game. Bon, The Game, c'est sûr, il fait dans les 1m90. Attention, je regarde en même temps que vous. Ouais, wow, bah, 1m95, The Game. Mais The Game, c'est une montagne. Oh, pour l'instant, il n'y a aucun rappeur qui a battu La Fouine. Je tiens à le préciser. T.I. Wow! T.I., c'est chaud! T.I., 1m62. Mais en vrai, il est petit de ouf. Bon, j'ai jamais vraiment regardé ses interviews. Donc, je sais pas vraiment. Mais dans les clips, genre, dans les clips, on dirait, il a une taille normale. Genre, 1m70. Tu vois ce que je veux dire? 1m62! Et le dernier rappeur, c'est Booba, 1m92. Ah ouais, Booba, il est grand de ouf aussi, hein. Ouais, 1m92. Eh ouais, c'est tous des basketteurs. Tous ceux qui font 1m90, c'est tous des basketteurs. Booba, La Fouine. En plus, ils se détestent, en plus, comme par hasard. Après, il y a qui d'autre? En vrai, ils ont oublié pas mal de rappeurs. Il y a Gucci Mane qui est super grand. Putain, La Fouine, en vrai, il est grand, putain. 1m96. Est-ce qu'il y a un rappeur, il est plus grand que ça? Il y a qui d'autre? Après, on a tout dit un peu, hein. Les plus grands, Snoop Dogg. Wiz Khalifa. Sur le moment là, j'ai pas de rappeur en tête qui me viennent en mode ils sont grands de ouf. En tout cas, j'espère les gars vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé un rappeur qui est plus grand que La Fouine. Putain. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos.
Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Her mind stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinner, yeah. Open the hole. Hit my metro if it's about the pencil, yeah. Like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extender. Bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Hey. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.